Everything's alright. Et bonjour à tous, ici le prof en cube en direct de Minecraft. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle command block. Un command block in one command, un nomade, tout ce que vous voulez, tout le tout team, tout le tralala. Enfin bref, donc on va déjà se giver là où la command, le command block. Alors, give votre pseudo command block, voilà, on se le give. Et ensuite, voilà, j'ai la commande, elle est là, done. Et voilà, donc je vais d'abord faire un petit refresh. Voilà, ça augmente un petit peu plus les FPS, ça aide beaucoup mieux. Et c'est parti, on va lancer de la commande. Et comme vous avez pu voir sur la miniature et sur le titre, c'est une commande pour avoir un ours polaire. Oh mon dieu, c'est magnifique. Donc alors, avant de commencer, il faut déjà que je vous dise que cet ours polaire, on l'a déjà dès qu'on crafte la machine. C'est pas un mob qu'on peut retrouver un peu comme les vaches et les moutons. Et il faut aussi un ressource pack, donc option ressource pack qui est là, que j'ai installé, que je mettrai aussi dans la description, avec le créateur et la commande, enfin tout le true team, tout le tralala. Donc du coup on va placer ce petit ours polaire et on va le mettre là. Regardez-moi cette magnificence dans cet ours polaire, regardez. Regardez comme il est trop cute. Regardez-moi ça, regardez. Par contre on peut pas le taper mais c'est pas grave. Mais regardez comme il est trop cute, il fait... Donc du coup il vous suit logiquement. Attendez. Suis-moi mon petit. Suis-moi. Bon alors celui-là il est un peu dissident mais c'est pas grave. Ah mais, non mais reviens mais... Ah il me fuit en plus. Enfin bref, donc on a également un petit control book qui permet de contrôler l'ours polaire. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tout simplement plusieurs contrôles qu'on peut lui faire faire. Par exemple, si je clique sur walk, regardez, il va commencer à marcher. Regardez, regardez, oh, regardez comme il est mignon. Attention, on peut être musique, c'est dommage, genre. Regardez, c'est trop mignon. Non, après il s'arrête parce que. Ah si, non, il continue en fait, il continue. D'accord. On peut également le faire courir. Regardez, regardez-moi ça. Cette animation qui est plutôt classe, franchement, pour du Minecraft, c'est plutôt classe, une animation comme celle-ci. Franchement, là, je dis chapeau au créateur, ce qui est Mackie Stein. Donc, vous connaissez certainement, parce qu'il fait pas mal de nos modes. Donc, on doit le faire s'asseoir pendant 5 secondes et regarder. Attendez. On va le faire bouger, attendez. On va casser des trucs autour de lui. Regardez, on va... il continue de courir. Tant que vous n'avez pas dit qu'il arrête de courir, attendez, si on clique une deuxième fois sur run, non, il s'arrête jamais, en fait il s'arrêtera jamais de sa vie. Enfin bref, on va faire par exemple site, regardez-moi comment il est mignon, regardez-moi comment il est mignon quand il est assis. On dirait un Winnie l'ourson des neiges. Un Winnie ours polaire. On peut aussi le faire regarder. Regardez, là par contre franchement c'est la classe. Regardez-moi ça. Il se lève et il regarde, comme ça tranquillement. Alors là franchement, ça c'est une animation que je trouve méga classe, regardez. Look, et là boum. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien, bon bah je vais me rasseoir. Boum. Et franchement là c'est la classe. Du coup attendez, je vais vous montrer une petite comparaison. Donc regardez, je fais look. Et regardez la taille qu'il fait par rapport à moi. Il est beaucoup plus grand que moi. C'est juste n'importe quoi. C'est génial. D'ailleurs il est parti, il est revenu. Est-ce qu'il me suit? Ah il me suit. Regardez comment il me suit. Non il, en fait il... Non reviens. Reviens. Ah quand même. Alors, il y a également la dernière animation qu'il peut avoir, c'est le roar. Et là, regardez, roar. Il crie tout simplement. Donc, par contre, il n'y a pas de son, hein, il n'y a pas de son, c'est juste il se lève et il fait roar. Et là, par contre, c'est encore plus classe parce que comparé au look, il ouvre la bouche et ça, c'est vraiment, vraiment classe. Avec le ressource pack, c'est juste magnifique. Donc, franchement, c'est juste un no mode, un one command pour ceux qui veulent, qui est juste magnifique. Donc alors attendez, avant de finir la vidéo, parce que il n'y a pas énormément de choses, mais bon, c'est quand même un no mode qui est assez sympathique. Je vais vous montrer autre chose, c'est ça. Regardez, on va mettre le polar bear ici. Ah, non, on va le faire respirer quand même, oh. Tout de même, voyons. On peut faire ça, look, regardez. C'est un petit bug. Et quand il va se rasseoir, vous allez voir. Ah zut, peut-être pas dans le courant alors. Merde. Ah, flûte. Merde. Comment arrêter le courant? Ouh là là, la petite connexion. Ouh là là. Hop là, le refresh qui va bien. Voilà, ça sera beaucoup mieux. En fait, non. Du coup, comme vous avez vu tout à l'heure, je ne peux pas le... Ouh là 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 là, je fais une petite coupure, autant que ça se remette normalement. À tout... Et re, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, une fin assez buggée, hein, comme les images qui défilent. Assez lentement sur
sur l'écran. Excusez-moi, en tout cas, je ne vois pas pourquoi ça bug, mais bon. Ça va être Fraps qui déconne, hein, comme d'habitude, mais bon. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, elle était un peu courte, certes, mais en tout cas, elle est géniale. Le monomode est plutôt classe, avec le ressource pack, je mettrai tout dans la description. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Féloche est un poisson, Darwin avait raison.